Sangatte, c'est pas spécialement le meilleur spot de la région. On a 800 qui est à côté qui peut monter beaucoup plus en vague. Par contre, à Sangatte, avec l'effet de cap, on a toujours plus de vent. Donc ça souffle toujours plus fort. Et c'est surtout cette ambiance et cette communauté à Sangatte où tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie et tout le monde s'entraide aussi sur l'eau. Et c'est vraiment cette ambiance qui nous fait rester sur Sangatte. Le projet pour nous n'était pas à la base très très bien puisqu'il allait nous couper dans nos navigations puisqu'il y aurait eu des rangées piquets qui nous empêchaient de naviguer. Par contre, des surfeurs se sont engagés, des kitesurfers et des cols de kites de Sangatte se sont engagés dans le projet. On a eu un rendez-vous avec les chefs de projet et on a pu faire modifier 2-3 choses sur le projet qui vont nous permettre d'être un peu plus libre sur la navigation. Mais on perd quand même pas mal de temps de navigation. Et comme aujourd'hui qui est marée haute vers 16h30, 2h, 3h avant la marée haute et 3 heures après, on ne pourra pas naviguer. Donc, si la marée elle est bien calée, on pourra naviguer. Si elle n'est pas bien calée, bah, on restera à la maison. Ça peut être une bonne chose, même protéger les maisons qui sont au bord. C'est vrai que les marées, quand elles tapent, elles vont vraiment taper près des maisons. Après, en espérant que ça fonctionne aussi pour les habitants et que les activités nautiques puissent rester.